Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, Dryad Networks a développé le Sylvanet Wildfire Sensor qui permet de détecter les incendies forestiers à un stade précoce, nous dit révolutionénergétique.com. Alors, ce capteur est alimenté par un petit panneau photovoltaïque qui se rend autonome en énergie. Alors, il mesure environ 19 x 8 cm et est installé à une hauteur de 3 mètres sur le tronc d'un arbre pour surveiller en permanence son environnement. Le capteur utilise l'intelligence artificielle pour analyser divers paramètres environnementaux, notamment température, humidité, pression atmosphérique, qualité de l'air et d'autres signaux précurseurs d'un feu naissant. Alors, les données collectées sont transmises en temps réel via la technologie LoRaWAN, permettant aux autorités et aux premiers intervenants d'agir rapidement en cas de départ de feu. Le capteur combine une cellule solaire de 6 par 6 cm pour l'alimentation en énergie avec un supercondensateur pour le stockage, ce qui assure une durabilité d'au moins 10 à 15 ans.